Jacob, j'ai réussi. J'en suis sortie. Lara, Dieu merci, vous êtes vivante. Apportez-moi l'Atlas à notre observatoire, dans les montagnes. Très bien, j'arrive. Celle-ci retrace la construction d'une grande cité. Qu'étais-je ? Lara ! Lara, est-ce que t'es là ? Jonah, c'est toi ? Ma petite Kai ! T'es vivante ! Je le savais ! Bon sang ! Jonah, qu'est-ce que tu fiches ici ? Où est-ce que t'es ? Je suis là-haut, dans une sorte de forteresse. Tu pourras remercier Jacob. Les siens m'ont récupéré à moitié mort dans la toundra. Tu as fait tout ce chemin pour me retrouver. Ça va, c'était pas si terrible. Je t'ai dit que je veillais sur toi. J'allais pas te laisser toute seule ici. Je viens à ta rencontre. Ne bouge pas de là. Ça, c'est pas au programme. Fais gaffe à toi. Lara, ravi que vous soyez toujours des nôtres. Les envahisseurs sont disséminés dans la vallée. On tente de les repousser partout où on le peut. Si vous voulez nous y aider, vous êtes la bienvenue. On sait qu'on peut vous faire confiance. Thank you.
quelqu'un d'autre attaquait les Trinitaires dans l'obscurité sous la cathédrale. Pourrait-il s'agir des immortels que Sophia a évoqués? Si c'est le cas, quel rôle ont-ils à jouer dans tout ça? J'ai tellement de questions. Mais pour l'instant, je suis simplement soulagée. Shona est en vie. J'aurais dû me douter qu'il viendrait me chercher. Et heureusement, le peuple de Jacob l'a trouvé avant qu'il ait des ennuis avec les Trinitaires. Je n'ai jamais voulu qu'il se jette avec moi dans le danger. Mais je dois admettre que... je suis contente qu'il soit là maintenant. Satanatos, eleison imas. Agios oteos, agios prophetes. Agios satanatos, eleison imas. Agios oteos, agios prophetes. Agios satanatos, eleison imas. Agios oteos. T'as pas bonne mine. Mais au moins, t'as le sourire. J'avais raison, Jonah. Mon père avait raison. La source divine existe. J'aurais tant voulu qu'il voie ça. Il serait tellement fier. Sophia m'a dit tout ce que t'as fait pour son peuple. Lara. Ravie de te revoir, Sophia. Jacob t'attend dans l'observatoire. Les fondateurs de Kitage étaient de brillants artisans. Ils venaient dans cette pièce pour visualiser l'Atlas. Jonah, tire sur ces chaînes. Avec plaisir. Servir pour planifier la construction de la cité. C'est comme un dessin technique. Exactement. On dirait que tout l'ensemble émane de ce point. Ce qui placerait le cœur de la cité... juste sous le lac. Mais... il y a quelque chose qui cloche. La cathédrale, où se trouvait l'Atlas, elle n'est pas du bon côté du plan. Fais-le encore pivoter. Je ne se trouve pas sous le lac. La cité sous le glacier. Et c'est là aussi qu'est la source divine. Comment on va faire pour traverser cette glace? Attends. Ce chemin-là mène droit à la cité. La cathédrale se trouve là. Et la tour est de l'autre côté.
Ce qui veut dire que l'entrée de Kitej est forcément... ici. L'entrée de Kitej est ici. Vous le saviez. Il faudra pas longtemps au Trinitaire pour découvrir où se trouve la source. Mais... je peux pas laisser tomber Jonah. Même si ça implique de faire une croix sur la vérité que vous recherchez. Il a risqué sa vie pour m'accompagner ici. J'ai déjà failli perdre une fois. Ça m'a suffi. Allez-y. Faites ce qu'il faut. Si Jonah est en vie, ils doivent le détenir dans l'ancien goulag soviétique. Je n'ai aucune envie de retourner dans cet endroit sinistre. Mais je ne peux pas le laisser aux mains des Trinitaires. Jonah, tiens bon. Sophia, tu es là ? Lara, est-ce que tout va bien ? Oui, je suis près de l'usine de cuivre. J'ai une vue imprenable sur le goulag. Je m'apprête à aller chercher Jonah. Je vois où tu es. On a caché une réserve d'armes dans ce coin la première fois qu'on a attaqué les Trinitaires. Tu vas en avoir besoin. Merci, Sophia. On se revoit quand j'aurai réglé ça. Ils ont Jonah maintenant. La dernière fois que je t'ai vu, t'étais... Bon sang, Lara. T'as pas intérêt à être morte. Après l'avalanche, j'ai juste entendu un son. Un faible écho, mais... je suis persuadé que c'était ta voix. Je sais que je l'ai entendue.
Je sais que t'as survécu. À l'avalanche, au moins. J'ai aucune nouvelle depuis. Mais je vais continuer d'essayer. Je sais que tu m'as dit de partir, de me mettre à l'abri, mais... Tu pensais vraiment que j'allais te laisser ici? Allez, tu me connais mieux que ça. Encore de la propagande. La tempête se rapproche. D'autres pièces d'or. Je crois qu'il commence à se douter de quelque chose. Il se peut que je doive m'éclipser en vitesse. Je sais pas si tu m'entends, Lara. Mais je perds pas espoir. Il se passe quelque chose là-bas. J'ai grimpé à un arbre pour avoir une meilleure vue de la vallée en dessous. Je vois de vieux bâtiments et des gens qui s'affairent. On dirait qu'ils sont des hélicos et qu'ils font venir tout un tas de matériel. C'est forcément les Trinitaires. Je vois que ça. Faut croire qu'ils nous ont coiffés au poteau, finalement, hein. Ça fait plusieurs heures que je les observe. J'étudie leur patrouille. Je pense pouvoir passer au travers, en agissant au bon moment. Lara, t'as toujours été meilleure que moi à ce genre de choses. Si t'es là-bas, et que tu m'entends, je t'en prie, fais attention.